Bonjour à tous. Salut à tous, donc là c'est Vincent Brunet. Donc je vais faire comme la PS Vita comme j'avais fait il y a un an. Donc je vais faire un petit déballage donc sur l'iPad. Donc là c'est l'iPad 3. Donc avec le fameux écran Retina et puis la dernière puce A6 je crois qui l'embarque. Donc déballage. J'ai pas pour habitude de me filmer en train de déballer, donc vous m'excuserez. Voilà, le film plastique. Donc garantie à l'origine un an, mais j'ai pris une garantie supplémentaire pour anti-vol et casse. Même si bon, je suis assez soigneux. Donc j'avais le iPod Touch 4. Ça fait un an que je l'ai, un an et demi. Ça fera 2 ans cet été, donc voilà, il n'y a jamais eu de casse. Il est parti aux États-Unis avec moi, donc il n'y a pas de casse, donc il n'y a pas de raison. C'est au cas où. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'ouvre, ça va certainement s'ouvrir. Voilà, comme ça. Donc, c'est mon premier iPad. Je ne savais pas si j'allais prendre le 2, le mini ou celui-là. Bon, j'ai pris le plus gros. Donc, voilà. Déballage de l'iPad 3. Avec écran Retina. Donc Apple nous donne à disposition une petite languette pour tirer l'appareil. Donc sans que ça fasse bizarre, la dernière fois que j'ai porté un iPad c'était à Los Angeles. Et encore ils étaient accrochés. Donc là voilà, je découvre l'iPad 3 qui n'est pas donné. Je vais pas dire de prix, mais il n'est vraiment pas donné. Bon, ben, comme j'avais eu à l'époque avec mon iPod Touch 1 en 2008, hein, donc les notices, les câbles, le câble USB que je vais brancher sur mon iMac. Ah, donc avec l'iPad ils fournissent donc la prise secteur, d'accord. Ce qui n'était pas le cas avec déjà l'iPhone 4, si je. C'est pas d'erreur. Et normalement il n'y a rien, il n'y a pas. Je pensais qu'il y avait un chèque de 500 euros dedans, mais non. Non, je déconne. Donc voilà. Donc je vais pas l'allumer parce que je vais faire ça tranquillement. Tranquillement, voilà. Je vais m'installer dans le canapé et puis je vais connecter Internet. Donc si vous voulez comparer, par contre, je vais vous comparer donc le Wii U Gamepad. Donc, hop, je regarde. Donc c'est bon. Je vais dézoomer un peu. Donc le Wii U Gamepad comparé avec l'iPad. Voilà. Donc une sacrée différence. J'hésitais à prendre l'iPad parce que j'avais peur de trouver l'écran de mon Gamepad petit. Mais bon. Il ne devrait pas avoir de soucis. Donc comparé à une PlayStation Vita. Donc la PS Vita, beaucoup plus petite. Et si je compare à l'iPod Touch 4. Donc voilà, donc c'est impressionnant. Donc je vais l'allumer, hein, histoire que voilà. Ceux qui veulent voir, voilà. Donc le démarrage comme sur l'iPod. Donc l'iPod Touch. Très bon appareil, franchement, il est bien accompagné. Internet, tout ça. Donc iPad. Donc welcome. Bon, je vais faire en français, voilà. D'accord. Changement de langue. D'accord. Ça a bien changé, je me souviens de la configuration que j'avais fait avec mon iPod Touch. Ça, j'ai pas ma clé, j'ai encore la clé de mon ancienne Livebox. Parce qu'on a changé la Livebox il y a quelques mois. Par contre, la nouvelle, je ne l'ai pas encore en tête, donc on verra après.